Salut à tous, heureux de vous retrouver. Des jeux vidéo, un kiosque à musique à Nantes, du rock au forum à Paris, la Maxi Boom du cœur de demain, les titres du 20h, c'est le mini du jour. À vos micros, c'est l'heure de la rubrique joystick en folie. Henri Le Goy, toujours à l'affût des nouveautés. Jeux vidéo. Pas la moindre tristesse au fond du cœur de Rémi quand il entreprit ce premier vol. Dernièrement, des souris aérodynamiques. Dernièrement, des souris battantes dynamiques. Dernièrement, des la souris de l'air atomique. Hyper souris. De Madame la Comtesse s'est avancée. Oh, merci, Gustave. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Mais Gustave! Oui? Comment osez-vous vous présenter dans cette tenue? Oh, quoi? Mais j'ai perdu mes bretelles. Où ont bien pu passer mes bretelles? Gustave, j'espère que ça ne se reproduira plus. Les bretelles.
dans les flûtes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Stade numéro 1, la rampe de lancement est prête. Stade numéro 2, les récipients d'encre sont prêts. Ah, mais pas complètement. Il manque encore de l'encre noire. Mais qu'est-ce que vous voulez écrire avec tous ces pots d'encre, professeur? Vos mémoires, peut-être? Quoi? Après 30 ans de travail, tu n'as pas encore compris. Tu vas être témoin de la plus géniale opération commerciale qui ait jamais été tentée. Regarde, nous allons lancer les pots à une altitude de 3000 pieds et ils exploseront provoquant... Autour de lui, qu'il ne serait pas fermier, qu'il deviendrait chevalier, qu'il serait... Ouais, tu mangerais bien quelque chose, c'est ça, hein? Bon, alors je vais te rapporter ça tout de suite. Attends-moi ici une minute et reste bien tranquille. À 9000 francs. La devise des pauvres rouges heureux, c'est qu'un indien prudent en vaut deux. Cowboy et bison, quelle circulation sur les sentiers, faut faire attention. Pour freiner, faut serrer les deux freins. Traverser, faut regarder au loin. Faut s'asseoir à l'arrière des autos et ne pas rêver quand on se promène à vélo. La devise des pauvres rouges heureux, c'est qu'un indien prudent en vaut deux. Cowboy et bison, quelle circulation sur les sentiers, faut faire attention. Ceux qui courent à tort et à travers ont des accidents même dans le désert. Faut être prudent si on veut vraiment être le dernier des Mohicans. Alors, la définition exacte, moi je l'ai. Parce que ça vous intéresse en ce qui concerne le dossier environnement. C'est la science des corps organisés dont on ne connaît que des débris fossiles. Cuvier fut un des fondateurs de la paléontologie. Et en plus, j'ai des très très beaux dessins sur les fossiles siluriens, dévoniens, carbonifères, crétacés, jurassiques, éocènes, oligocènes, miocènes, pléistocènes. Laisse tomber ta liste, d'autant qu'on ne voit pas les dessins. Alors, un dossier environnement, tu peux peut-être rappeler qu'on a déjà eu dans cette série environnement un certain nombre de. On a eu les avalanches, on a eu un sujet sur les fermes de l'an 2000. On a eu un certain nombre de sujets. Et là, on va vous parler un petit peu de ce que vous pouvez trouver si, comme ceux que vous allez rencontrer dans quelques instants, vous passez le plus clair de votre temps à gratter sous la terre pour voir ce que vous pouvez apprendre. Vous savez que si vous grattez sous terre, vous pouvez trouver des objets très riches d'enseignements sur le passé. Vous allez voir qu'il y a des jeunes qui passent des dimanches entiers dans des carrières où l'on retrouve soit des morceaux de roche, soit des minéraux, soit des fossiles, et qu'on apprend énormément. Regardez et tâchez de faire pareil après. C'est une carrière dangereuse, que vous restiez avec moi, hein, dans les divers endroits où on ira. Bon, alors il y a un gisement super, vous allez vous amuser aujourd'hui, hein, surtout avec la pluie. Ouais. Il va y avoir plein de possibles. Alors, comme d'habitude, on va aller dans les voitures. Tu ne sais pas où tu vas. Bon, tu iras avec monsieur là, hein, d'accord? Ok. Cela commence toujours à peu près comme ça, un week-end consacré à la recherche des fossiles, des minéraux et pierres se livre à toutes les pitreries
donnent libre cours à toute leur fantaisie. Il reste les amis des enfants, ce sont d'aimables farceurs. Écoutez leur rire moqueur. Hickle et Jekyll sont de trop d'oiseaux, de joyeux corbeaux. Hickle et Jekyll. Vers la fin du XXe siècle, une comète surgit du fond de l'espace, scindant la Lune en deux et provoquant un immense cataclysme terrestre. La civilisation humaine est réduite en cendres. 2000 ans plus tard, un monde étrange renaît des ruines. Un monde dominé par des esprits supérieurs assoiffés de pouvoir. Mais un homme se dresse pour faire respecter la justice, aidé de ses compagnons, Oukla Lumok et la princesse Selena. Il met sa force, son courage et sa fabuleuse épée de feu au service d'une lutte sans fin contre les forces du mal. On l'appelle Arok le Barbare. Ils se cachent peut-être dans l'un de ces tunnels. Regarde, c'est sans doute un panneau signalant leur repère. Mais non, c'est une affiche de cinéma. Pour la paix, adulé par ses sujets, oui, c'est Arthur qui se bat tous les matins pour la veuve et l'orphelin, et oui, c'est Arthur qui parcourt tous les pays pour protéger ses amis, et oui, c'est Arthur, un roi comme on n'en a jamais vu, chalalalalala, c'est Arthur. Mais il ne veut pas entrer dans l'histoire. Cha-la-la-la-la-la-la, c'est Arthur. Just a clue or a secret message, ring the famous five around. Aujourd'hui, les cinq repartent pour l'aventure. Je me demande si l'oncle Henri va être là. Et moi, à quoi ressemble notre précepteur? Bonjour, ma tante. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Je suis contente de te revoir. Et moi, donc. Bonjour, vous deux. Bonjour, ma tante. Bonjour, ma tante. Je commençais à me demander ce qui vous était arrivé. On a raté notre train, ma tante. À cause de la bétaillère qui est en panne. La quoi? Le bus de l'école qui nous conduit à la gare d'habitude. Oh oui, je vois. Où est Claude? Elle ne doit pas être très loin. Tu veux qu'on aille la chercher? Si tu veux. Eh bien, Miss Rogers, voilà les vacances. Ah! Mais maintenant, écoute un autre mécanisme, sinon on va être trempés. J'ai l'impression qu'on est sans mes enfants. Je dirais que notre plat est à l'eau, Boris. Ah! Non, c'est bien, je viens de tromper les suie-glaces maintenant, je veux dire. Vous ne feriez pas peur à une mousse? Ne t'inquiète pas. Bon, alors, mets-nous dans le numéro 1. Venez. Chérie, c'est bien dans le numéro 1, surtout. Bah non, c'est le 2. Oh, mais j'étais dit le numéro 1.